Oh, oui. Au pauvre Sermois, nous voici de retour pour une mission particulièrement délicate. Non, c'est pas la première fois, commissaire, que c'est pas la première fois. Oui, c'est sûr. On arrive dans un village où règne le non-droit absolu, où l'État jusqu'ici était impuissant à faire respecter l'ordre et la loi. Ouais, mais je croyais que ça l'arrangeait bien, moi, l'État, d'avoir affaire à une bande de citoyens complètement abrutis, sans aucune conscience. Ah, pas de mauvais esprit, c'est moi, hein, je vous en prie. C'est pas à nous de faire de la politique. Oui, d'accord, commissaire, d'accord. Il va falloir être particulièrement discret, vigilant et efficace. Oui, c'est ça, discret, vigilant, efficace. Vous pouvez compter sur moi, que vous pouvez compter sur moi. Comme d'habitude, et même plus que d'habitude. Et je dirais même plus que d'habitude. Toli, ton homme. On lit pas ailleurs, on roupille dans sa tiberge. Occupe son pétain. Oh, toque de bois, recouille une vraie misère encore. Ouais, fageons pas grand chose, Giretta. Mais avro, fageons re de re. Et crève ce bateau de mène, qu'ayant pas eu dû faire la grève de l'honnêtage de teint de teint. De mon remède, que de vieux, mita, il sort bas, et j'y de relève. Eh ben, et de moi, qu'au fait cinquantaine de grève, qui be impotait pas renouveler la race. Me n'inteigne pas j'y le courage. De toute façon, me disent, hein, le mouli que ça. Mais alors, qui fera la fin du monde? Ben, qui bio tant meille. Oh, ça a l'air de barder par ici. Moi, j'aime bien la bagarre que j'aime bien la bagarre. Oui, belle drôle d'ambiance ici. Ça n'a pas l'air d'être trop joyeux, hein. Ouais, pourtant aujourd'hui, le jour du poisson, on aurait bien rigolé, non? Oui. En attendant, restons discrets. Ouais. Et vous lisez quoi, Sermois? Ben, c'est une revue des années 20 que j'ai trouvée dans le grenier de ma mère. Regardez-moi, les femmes comme elles étaient belles de ce temps-là. Et maintenant, elles sont toutes vieilles. Et elles sont même pas grand-mères avec leurs grèves stupides. Mmh. Et en plus, Sermois, leur soi-disant beauté, là, ça vous dit rien de leur caractère. C'est juste une illusion. Parce que le caractère, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile à supporter chez une femme, non? Et chez un homme aussi, hein, des fois. Mais enfin, pour le moment, moi, je me bercerai bien d'illusions malgré tout. Chers téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, 1er avril, n'oubliez pas de vous munir de votre poisson
grand jour de notre fête nationale, nous espérons que chacun d'entre vous doublera d'efforts pour mettre un peu de joie et de gaieté autour de lui. Oui, pas de jeu possible. Le vrai miséro. Je mue comme bouton lunet, je mue grand région cou. Vous dans ce viré, tiens, il tombe. Qui ne manque jamais de fêter la tradition du 1er avril avec enthousiasme et qui même en perpétue son esprit tout au long de l'année. Un cœur que de bourgue de chimpli, qui toujours le même chanson, qui n'achèveront jamais pour nos dames. Inspecteur, avez-vous qu'elle la ferme? Que non pas. Ah, qu'elle a tué? Je kiffe vraiment ce genre de meuf. Ah, vous m'étonnez, commissaire. Je croyais que vous étiez uniquement intéressé par la philosophie que je croyais, moi. Oui, c'est sûr, c'est en moi. Mais il y a aussi une limite à la sagesse. Hein. Et, vous permettez, inspecteur? Vraiment, on aura tout vu. Et bonjour, belle dame. C'est donc bien gentil. Et demeurez rien là-dessus. Pouvez-vous faire le compagnon? Ce que vous dérange pas trop. Mais qu'on va y pas, non? Mais parce que dont tu te prennes, t'as vu que ta tête de chindo, ton ibourifla, ton malpigna, ton malcoiffa, bougre de dipendeur d'andouille. Mais je suis pas si grand que ça, hein. Mais t'es peut-être pas grand par la taille, mais t'es grand par la bêtise. Ben alors, c'est pas j'y bien élevé de paracheur, hein. Alors, ça a marché? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh ben, figurez-vous qu'elle m'a donné un rendez-vous pour ce soir. Ah ben ça, alors, franchement, j'ai jamais vu un tombeur comme vous que j'ai au moins vu court. J'ai trouvé une belle crotte de chien. Ah oui, ça c'est une belle crotte, c'est pas une crotte de chat, hein, c'est sûr. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que c'est? C'est encore vous? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, brave dame, c'est bien qu'il y a une tuelle qui va tomber de votre courir. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien que tu marches dans la crotte de chien. Sale petit voyou, vous allez voir! Pas possible, ça. Là, mon coach, oui. Ça aussi saoule. Alors, pium. Et le fourme. Le fourme, non, tu le fourme, un bille, le LSD, tu vois. Tu et le bleu de cannabis. Oh, le bleu de cannabis, tu vois. Ok. Oui, écoute, tu vois. Oui, oui. Oh, tu vois, oui. Ma, quoi, oui. Eh bien, qu'on fait le rendez-vous, quoi. Bout à coup, autre chat que lui aime bien. C'est crazy qu'il faut poser tout le bazar à chat à neuf. T'en fâche pas. Le marchand au nœud, on veille faire boum. Moins que de coutume. C'est crazy. Fait bon des moitiés pareil. Oui, mais que le fouet. Et qu'on marche bien vers la foire. Coupe au journée, plus mal. Et de ce que d'en vendez, Podrey. Qui doit fouer au dopoï? Mode de la pharmacie, chevoleil. De jus la douche, te vais et ce que vole le dire. Il vais pas franc bien, non? Mais Louis franc, Barno? Voleil, il soye sec? Oh, que non, pas. Couveille bien, moco, teigne mon casse-croût à chabé. Mais il crée paix. Bois de châtain, la pastonade magique. Crèze qu'a qu'une aboune. Et sûra que son boune. Tu vois, du graphien au paradis. N'enteigne même qu'il a, qu'on y va quand même. Cuis bien. Et le prochain cas, pour ta don de truffer.
que commence à faire chez tout de même. Mais lui, farfelu, que l'homme. Cresbeuk au fage le chien plus près. Me pense que l'eau boutait son nez, dit un autre, à fuir. Cresbeuk, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, c'est étrange que c'est étrange. Il y a un gars qui est venu échanger un kilo de carottes, hein, un kilo contre une seule carotte. Et des carottes, qu'ils appellent ça des carottes magiques. C'est pas un peu bizarre, c'est pas un peu bizarre? Oui, très étrange en effet. Mm-hmm. Disons donc, seille de passage pour autre chose. Oui, c'est un debris de sazou. Essaye mon coup. Parce que là même pas bien coup, pas autre chose, obé. Que non pas, brave homme. Cherche un mât de travail. Et bien payade, moi. Essaye de chop au mossé de ce que donne. De pruna ou de chautaigne. Eh ben yo, de partige, de quoi? Du sommaire. Fâche pas trop le puffy, un binôtre. Que non pas, n'est pas pour. Dis donc, ta gente petite bouille, mon père. Faut-il pas que l'on madurasse trop de bonheur, que l'on devenguesse toute machade et bretade. Cochillot bien dommage, te crées-y pas? Ah ben non, avec quoi sera, oui. Oui. Tenez, bouillot, la gambette tant si poraide. Mot de crampe, mot de mouidre, que vous grattons lui archo. Non, mais Coveil est votre. Coveil. Ah, quoique. Ouais. Je ne volaille pas de grabuge. Vous dise de revoyer votre petit mollet, de faire marcher votre mignonnette gambette, et de ne pas tourner puyen. Pija? Qui drôle, moi-même, aro, qu'on commence comme gratouille. Autre chose, c'est un chez notre. Et là même, pas trop, lui étranger, que venait bouter l'una en tout que si. Pas de problème, brave homme. On va y donner fouer un petit tour. Gente bouche de vache, comme de beauté de sombre, ça va lui parfumer ses rêves. Ente se froido, na fange, na gente se arreva, que ele fez longo viagem, sur uma bateia, e em plus, que a gente é bom na mer. Bravo. Que bom, Tá obludado um pisso? É que não pé. Ben, ué, donc eu vou dar uma amanda, sabe o pé que eu quero obligar, né? Ah, mas fute pé mo de tata que lhe obliga chou. Et Sancho, il connaîtra bien mon corps. Ma est déjà venu sauter tôt pour autre ou quelque chose. Ouais, il sera cuit le reporter de la Gazette. Ah, oh, je ne savais pas. Oui, bonjour. Nous sommes actuellement dans une charmante petite bourgade des Monts du Forez. Vaudorville, nous sommes entourés par une foule nombreuse et enthousiaste venue fêter notre fête nationale. Monsieur, cette fête s'annonce plutôt bien. Oh, sur à qui m'y fasse bien. Quelle joie, quel bonheur. Ça me paye comment vous dire. Ah oui, mais vous parlez encore le patois par ici. Oui, ça me paye par autrement, gros sacchino. Et vous, madame, vous êtes heureux de fêter ce 1er avril? Eh ben, pas j'ai tout le jus de farce, et encore moins à nœud. Qui pédro, le co? Bon, très bien, c'est pas grave. Et vous, madame?
Eh bien, voilà, ça y est, de ne pas trop pleurer sur notre saut. Hein. Qui veut la fête? Et vous? Vous avez prévu quoi pour cette journée exceptionnelle? Redotto, mon Pierre. Et te crèze que n'enteigne un plein bounet de votre connario. Et teigne un mouet à fouir. Et qu'on nous amuse. Excusez-nous, mais la régime signale qu'il y a un petit problème technique qui nous oblige à rendre provisoirement l'antenne. Ah, c'est quoi cette mascarade? Vous vous fichez de nous ou quoi? Ah, c'est toujours la même chose avec ces journalistes. Ah ouais, n'entend pas les chines de corrigolo. Voilà, dame, un peu de calme et de roseau, pas jamais une autre mitaille. Et veut qu'est-ce? On parle le patois, mon autre. Ça suffit, vous pouvez rentrer chez vous. Yo, fouer sec, trahit tout ce mot qu'on de notre. Faut y prendre à plein pounet. Ouais, voilà un fouer à la grande bujade de la prime. Qu'on veuille fumer, me pince, et faut que peut-être. Mais vous préparez un plan d'au diable. À Couta, la guerre de 44, et bien qu'on se remet de la rigolade. Ah, sacré nom de Dieu! Il manquait plus que ça! Bonjour, on va faire une petite séquence avec vous, si vous voulez bien. Excusez-nous, on n'a pas trop envie. D'ailleurs, c'est l'heure de la relève. On est là depuis ce matin de bonne heure. Je vous envoie nos remplaçants. Cherchez tordu de boulot. Qui sera que qui sera, oui. Eh bien, d'autant que Wedin en tombait un si podègue. Pourriez pas vous entorver de notre banc un peu de chez mon mère? J'irai un peu long. Et pas des carmaillages, hein? Avec plaisir, si ça peut vous arranger. Ouais, quand c'est demandé si gentiment, hein? Ouais. On va bien y arriver, monsieur le commissaire. Oui. Hein? Ouais. Bon. Et c'est vous la relève, là? Oui, c'est ça. Dites, il n'y a pas beaucoup de monde. Si l'un de vous deux faisait le client, ça serait beaucoup plus vivant. Le client avant. Auteur. Nous voici de retour après ce petit incident technique dans un autre quartier de Vaudorville. Quartier réputé un peu chaud, mais qui, malgré cette réputation, semble des plus paisibles. Aujourd'hui, nous sommes devant le stand d'un agriculteur local. Je suppose qu'il va nous vanter ses produits. D'ailleurs, nous avons de la chance. Un client fidèle vient juste d'arriver. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous dire ce que vous venez d'acheter? À vrai dire, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il vaudrait mieux demander à ce monsieur quels sont les produits qu'il propose. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous vendez? Eh bien, ce sont des produits de la pharmacopée locale, à base de plantes, comme vous pouvez le voir, et de produits naturels et bio, Sura. Mais je vois là, par exemple, crotte de bicarossaure. Oui, alors, crotte de bicarossaure, c'est une préparation pour donner du tonus mental et musculaire, à condition d'en prendre une dose homéopathique, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Et ça, là, l'arme de crocodile. Eh bien, l'arme de crocodile, ça stimule les glandes lacrymales que ça les stimule. C'est pourquoi? Pour pleurer de joie, je suppose. Et il faut en boire? Oui, une petite goutte. Faites voir. Je vois des éléphants roses, une charge d'éléphants, des petits oisillons qui chantent un joli chant de Noël. La fée Clochette, entourée de petits nains charmants et des gnomes tout poilus partout. Ah, chers téléspectateurs, veuillez nous excuser. Notre interlocuteur ne se sent pas très bien. Nous aussi, nous allons rendre l'antenne. Ah, bravo la presse. Faut pas qu'il y ait trop de problèmes. Belle mentalité, ils nous laissent en plan.
Ah, ça c'est courageux, t'es. Et la pince. Ça y est, ils sont partis. Deitch, couille bon. C'est parti, oust. Eh ben, grand merci pour le service, tout de mémoire, hein. Et pour la rémunération? De ce que donc? Ben, le paiement, quoi. Vous aimez pas voler à l'amour. Ah, couille sûre. Écoute-moi. Ça me passe ton vegu, ma hauteur. T'en n'y plus de mon nude. Fais-en de troc. Ici, on troc. On trique. Et parfois, on perce. Alors, on te voit de boisser ton braille et voit de te poyer un bide code de péotchou. Quand on ira, mon coup. Hey, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de vérifier toute la marchandise comme ça. Ouais. Allô, la pince? Ici Briquet, le préfet. Ah, je suis absolument furieux. Je viens de voir votre prestation à la télévision. Ah ben bravo, c'est une véritable honte. Les policiers qui tiennent un point de vente de produits illicites. Mais vous faites injure à notre métier. Vous déshonorez la police. Vous nous traînez dans la boue. Vous pensez à ce que va dire l'opposition, la presse. Ah, je vous préviens, je vais prendre des mesures disciplinaires contre vous. Votre place n'est plus dans la police. Mais monsieur le préfet, malgré tout, je crois que nous sommes sur la bonne piste. Tôt ou tard, nous allions... Vous êtes viré, je vous ai dit, viré. Allez, raccrochez. C'est à moi. Je crois que notre carrière se termine ici. Ah oui. Le préfet est furieux. Il nous accuse d'avoir tenu un point de deal au village. Je ne sais vraiment pas d'où il peut tenir cette info. Ouais, c'est louche. Mais j'y pense que j'y pense. Il serait pas dans le coup des fois, le préfet. Peut-être lui demander. Ouais. Dis-le donc, belle dame. Savais-tu qu'il y en a voyante dans le village? Ah ouais? Tu voulais dire grand saquet? Tu voulais lui demander quand nous marier tu dû? Il n'y a pas un qui repense ça, hein? Qui dans ta façon de fouir, pas aborder les jeunes filles, Beuillot? Que non, demoiselle. Un bito notre respect. Vous dites, ma sabiche, il y en a voyante, parache dans le village. Oui, la moisou marcadoué, adrito, quico? Oui, à peu près. Et ça, ben, il n'y a pas gêné d'en demander moins, hein. Ni maridage, ni accordaille. Ah, quico, oui, te faire vivre, mon sale poing. La musique me joue. Oh ben, je vois que vos relations prennent une bonne tournure, commissaire. Mais comment ça? Eh bien, c'est évident. Si elle était totalement insensible à vos charmes, elle vous aurait pas giflé. Que c'est évident. C'est évident. Ben oui, c'est sûr. Ben alors, j'ai toutes mes chances. Chers amis téléspectateurs, oui, ce soir, bilan de notre très belle fête nationale. Un franc succès comme on n'en a pas vécu depuis des années. Des foules enthousiastes ont célébré toute la journée ce 1er avril 2084. Oh, tchou. Coucou, ben ça fouille, hein. Une grande partie de la population a bien voulu célébrer cette fête comme il se doit dans la bonne humeur et les... Ah, voilà de lui, Pouchinguet, que du pas de même, hein, qui te coffre, hein. Votre, le nouveau branquignol et le service meilleur. Que non pas, gentille dame. C'est un mec de bravo policier et un service. Ici, le règne d'Angleterre, Beuillot. Mais ce que quick volé. Eh bien, il y a un peu à vie, c'est quand il lui dado, ce brun à fouer que nous en fait vivre. Ah bon, eh bien, entre à ma. Commissaire. La place de l'église était pleine à craquer, et c'est avec la pluie de francs que la fête a commencé. Celui-ci n'a pas manqué de faire rire par son entrain et sa bonne humeur légendaire et a participé activement en effectuant quelques classiques de la farce et attrape, notamment l'attrape du portefeuille attaché à une ficelle. Ma, ce qu'on croit que vole. Eh bien, nous aimerions savoir comment le préfet a pu deviner
L'étalage que nous avons gardé pour rendre service à ces charmants agriculteurs était un point de vente de drogue. Bah, vous d'un burco, bah, couffera, triquilo de truffes pour la consultation, couniro, ma quoi? Ouais, couffrant bien, hein, oui, hein, la note sur le compte du préfet, hein. Nous allons découvrir le reportage qui a été réalisé cette semaine par notre équipe. Oh, Minerve, catcheur. Excusez-moi, mon brave, de vous diriger pendant le boulot. Ma, ici, Madame Irma, et vous dire sa vie, ce coquiquillo, j'ai votre marchandise à tcheu. Sûra, Madame Irma la douce, le show Perlin Pimpin. Au tête en six pots de coke. Mana bonne coke. Made in France. De V Marseille. La pastonade magique. Un gros pétard. Un bid de bonne herbe de Lupra. Les crottes de bique. MB le ressort, de petites boulettes de hachiche, le fiolette de l'arme de croco, et un bon LSD des lanades 600 OD. Et quand j'ai 600 OD, qui 1900 600 OD, qui mon grand, le twin, que me la boilait en 2020, d'un jupe au levé la quille. Allô, te pense Choliboun, Pija? Ah non, de non. J'en étais sûr. Ben, et pour le préfet alors? Excusez-moi, mon boulot, le surchauffe. Il craint que l'on m'ait pété, nom de Dieu. Oh, sale monde, de quel sale vial, d'hypnayado. Qui me le diable, le démon, le Satan, le Lucifer en personne. Je passe et je repasse. Et si Lucifer a repassé, vous trépasserez aussi sec, c'est sûr. Ouais, devenez-vous car l'un après l'autre, tiens votre moisou. Pas vous mener de rang, j'ai le fio de l'usenfer. Un te voyez dit rochi, mot de peau, chinassou et gourgan. Voyez de vous dip c'est l'uo, pas d'un fouer de pastigras, de moulet, de saucisse de chou, de merguez. Une chipoulette. Ça reloge à pan, te vois dit Chabet de nous embesiner. Au creux d'un coup, tout à Lucie, que pauvre diable, on me fait pida. Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Avec toujours, en morceaux d'anthologie, la fameuse scène hilarante de l'omelette d'œuf de dinosaure. Que pour Parker, l'orgonius Parker que le tche. Votre soirée sur notre chaîne unique. Après le journal, vous pourrez suivre la 15e rediffusion de la pièce de théâtre du Rififi chez le Glaude, jouée par les Japans d'Anneux. Au poire,
et fueno pleno velo paneiro de péché cudaretin. Et cresbe que le bon Dieu veuille être un rogne primeux. Mon fils, continuez sans crainte. Je suis là pour vous aider. Pas tourner, mener, que sacrifiant de le vialage, d'un le bon chamis que mène vers notre bonne oeillaise, me change un diable tout en Lucie. Elle lui parle, pas lui faire pou, elle lui parlait de lui en faire. Oh mon fils, quel égarement! Oh mon bon poire, le bon Dieu m'a châtia, un me bourrant les pattes, un hier le si, un pis de gros sel. Dieu sait que vous avez agi pour la bonne cause. Soyez sans crainte. Je vais lui en parler et tout va s'arranger. En attendant, allez réciter 4 pater et 10 ave. Et juste après, vous célébrerez une messe. Oui, mon bon père, il n'y a jamais plus d'ingu vers la messe du notre Yaise à vous. Et surtout, ne recommencez pas. Et n'oubliez pas une petite obole aussi, hein. Et toujours aussi pingre, celui-là. Il changera donc jamais, le bougre. Mais peut-être ce crève-beu que font un chabet, pas ton jus, mais qu'elle a fouir. Ouais, sûra, parce que notre homme sont même plus que de boire, de fuignant, de droga, avec une cervelle frandiglingado, de creuillet, de frando déchets de monde. Eh ouais, plus de bonnes manières, plus de civilita, sont moins que de beige, de cornio digénéra. Ouais, n'entaigne plein les paquerettes de coup dealer. De tout ce qu'elle a seul au parion que font gouler mille monde, elle, pour les faire 8 ricalotes, ouais. Et tout à coup, mena pas de commandant sans conscience que nous trinons, d'un seul mot y volons. Peu bien ouvrir comme en 1789, qui veut les faire et qu'on marche à ce Versailles, je me trompe pas. Ah ouais. Hans, ouste de fort, du ballet. Ouais, la drogue, ouste, Anneley, du balai. Ouais, la sale bouffe, ouste, Anneley, de fort, du balai. Ouais, le consommation forçado, Anze, du balai. Ouais, le taboulage de nos cervelles, Kishaba, du balai. Et les autos, et la casse, du balai. La télé, ouranque, elle est farceuse de mémo. Après la grève de nos bébés, bois d'un fouet, bonne grève de l'homme. Hanser, allez, Brogien, Dicrotin, Bujadin, faisons le grand débrenage et faisons tout péter. Hanser, les filles, allez, du balai.
Vous voyez, c'est à moi la puissance du non-agir. Ben, c'est pas franc bien, non? Eh bien, nous avons strictement rien fait et notre mission s'est quand même accomplie. Le village est enfin débarrassé de cette bande de malfrats là, et de voyous. Oui, on peut y voir comme ça, oui. Nous avons juste été les témoins de ces événements, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien fait, tout simplement. Vous savez, en physique quantique, on dit que l'observateur influe sur les résultats de l'expérience. Ah bon? C'est-à-dire que si nous n'avions pas été là, personne n'aurait su le résultat de l'expérience. Et l'expérience n'aurait peut-être pas eu lieu. Ah ben oui, ça c'est évident. Mais vous trouvez ça formidable, vous? Ouais, c'est pas grave. Avec l'âge, vous verrez. En tout cas, je peux vous donner un bon conseil pour votre avenir. Numérotez vos abattis. Je vois votre fiancée qui arrive, que je la vois qui arrive. Ah, te voilà, toi, mon chéri. Je vais t'en flanquer une. T'auras un bon souvenir, t'as dulciné, va. T'emboutir ta belle carrosserie. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, Milajou, donne-moi pas la peine d'y aller, hein. Ah, bon Dieu, elle a un sacré caractère. Vraiment, j'adore cette femme. Commissaire, bah, un colis pas ça, donc. Au nom de nom, mais c'est ça la puissance de la méditation. Oh ben, où est demi-bouteille de rang, sacre bleu? Pas votre lit. Espèce de couillard, de mal appris, de dégonflé, trouillard.